La deuxième audience du président de l'Assemblée nationale est accordée à Yaya Sangaré, un ancien collaborateur nommé ministre des Maliens de l'Extérieur de l'intégration africaine. Une fonction qui n'est pas compatible avec le statut de député à l'Assemblée nationale, selon le nouveau ministre. Donc j'étais venu conformément à l'article 7 de la loi organique qui fait mention des conditions d'éligibilité des députés, venu présenter ma démission de mon titre de député à l'Assemblée nationale parce que j'ai accepté d'être membre du gouvernement de la République du Mali. Par la même occasion, et après avoir déposé ma démission, je suis venu également pour demander des conseils auprès du président de l'Assemblée nationale parce que pendant tout le temps que nous avons travaillé ensemble, voir ce que nous pouvons apporter au niveau du gouvernement. Et également, lui demander de transmettre aux plus hautes autorités de la République toute ma reconnaissance et toute ma satisfaction pour la confiance placée en moi pour être désormais en charge des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Le nouveau ministre a remercié le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés pour leur franche collaboration.